Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starman 1.1.0, carrément. Ok, bon. Nous ne sommes pas allés voir s'il y avait des améliorations au niveau de la remure. Cooling upgrade, il me faudra de le raffinade Gisal, raffinade ferrosium, raffinade volium, plus une batterie, et je devrais avoir tout ça normalement. Bon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hop, hop, hop. Crac. Donc, je vérifie quand même. Ok, il ne manque plus qu'une batterie. Les batteries, il me semble que c'était au niveau de ce truc-là. Alors. Batterie, voilà. Crac. J'ai une batterie supplémentaire. Nous allons donc pouvoir améliorer notre EPP une dernière fois, je pense. Hop. Et maintenant, nous pouvons même aller sur les planètes de type mince. Non, pas de type mince. De type... je sais plus comment ils appellent. Fieri, voilà, c'est ça, merci. Hop, avec forcément des planètes moisies de ce côté-là, j'aurais dû m'en douter. On va passer par là, c'est pas grave. Non, bon bah non. Apparemment, on va plus aller par là. Hein. Non. Non, non. Y a pas de planète Fieri dans le coin ou quoi? What the fuck? Ah! Ah, oh, mais y'a rien dedans! Scorched. Eh ben écoute, on y va là-dessus. J'ai même pas vu si. Ah, mais j'ai même pas vu s'il y avait des trucs que je cherchais en composant. Bon, c'est le bordel. C'est le bordel. Allez, sprint, Marcus. Sprint, sprint, sprint. Hop. Range ton bordel. Range ton bordel. J'ai vu un truc light. Hop. Voilà, et je l'ai équipé. Comme ça, j'aurais pouvoir être à même de faire de la lumière. Ce qui devrait déjà pas être mal. Hop. Ça, je viendrai noter ça plus tard. Je vais garder l'armure pour le moment. Tout le reste, c'est plutôt dangereux d'avoir tout ça, effectivement. Là, ça va pas le faire. Hop. Hop. Hop, hop. Et malheureusement, on a un truc en trop. C'est ça. Hop, voilà. Bon. Ça, ça rentre aussi. Ok. Allez, tri. Voilà, merci. Bon, ça, c'est fait. On est sur la planète. Donc, on va quand même aller passer voir vite fait si on va tomber. Si on va trouver ce que je recherche. Pardon, tomber, c'est quand je loot. Oui, voilà ce que je recherche. Du solarium. Parfait. De toute façon, il faudra qu'on aille sur la lune aux alentours hein, pour faire le plein. Donc bon, il y a du boulot. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour simplement... Oh. Simplement pour avoir une meilleure armure. Et avec cette meilleure armure, tout simplement, être à même... Ah la vache, oui, ça émet beaucoup plus de lumière qu'avant. Être à même, tout simplement, de faire les derniers niveaux. Ah, ça a posé problème. Hop. Crac, je l'ai pas ce truc là. Hop, raté, tu ne m'auras pas. Je suis plus fort que toi. C'est une porte. Oh, je veux. Oh. Hop, hop. Ça c'est de l'huile. Oula, il y a des rayons laser. Il y a des rayons laser. Ça c'est quoi? Hop là. Tellement de talent! Tellement de talent, chers amis. Et ça aurait ruiné la zone, d'accord, simplement. Oh, bonjour! Ah, il est solide, hein. Hop. Mais il est mort. Il était solide, mais il est mort. Bah alors. Oh, il m'a touché. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord, jeu. Mais bon. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vide, dommage.
la vache, ils font tellement mal. Ils font tellement mal. J'ai pas de santé là-dessus. Oui, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon. Du coup, ça va se passer par là. Ça, ça va pas être suffisant. Je vais quand même prendre de la bouffe au passage. Ok, parfait. Et donc on a une régène et de la santé supplémentaire. On a plus de régène, donc je vais récupérer ma régène quand même. Hop, voilà. Boum. Oh, Scorch Score, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ok, bon. N'empêche qu'on trouve pas de donjon déjà pour le moment. Ah, je crois que l'oiseau aussi a un petit intérêt pour moi. Non, ça va. Ah, je suis mauvais par contre avec ce truc. Boum, voilà. Oh, ça c'est une poubelle. Je peux l'ouvrir? Je peux l'ouvrir, génial. Elle est vraiment sympa, regardez. Ça me donne vraiment envie de faire des villes et des villages. Hein. Ça, ça va être cool aussi. Et en tout cas aussi de voir les vôtres, tout simplement, hein, chers amis, hein, bien sûr. Attends, pourquoi tu l'as pas frappé? Hop! Ah, il m'a mindé. Hop! Parfait. Ok, c'est bon. Oh, un coffre. Un bâton électrique portal. Ah non, c'est une baguette. Électrique portal. Oh. Ah oui, j'avais pas oublié. J'avais oublié un petit peu ce truc là, pardon. J'avais pas. Je m'en rappelais pas. On en avait déjà eu un truc comme ça. Ok. Ok. Marteau! Pilon! Voilà, ça marche. Hop. Il est pas méchant. Oh. Ah, juste ce que je recherche. Ah, par contre, ça va être des floranes. Pas les floranes. Pourquoi j'aime pas les floranes? Tout le monde me pose la question, chers amis. Eh ben, je vais vous répondre. Vu que vous me posez la question, je vais vous répondre. Pourquoi je n'aime pas les floranes? Parce que non seulement ce sont des tueurs, non seulement ce sont des plantes. Non, c'est pas que j'aime pas les plantes, chers amis. Non, non seulement ce sont des tueurs, non seulement ce sont des voleurs, mais en plus ils éradiquent des civilisations et en récupèrent les avancées technologiques. Ce sont en fait tout simplement des parvenus, chers amis. Hein. Ce qu'on appelle des parvenus. Ils n'ont rien fait d'eux-mêmes, ils y sont arrivés comme ça. Et moi, je trouve ça intolérable. Mais bon, c'est mon avis. Ah. Ah, ça va être compliqué de monter là-haut. Ah, je l'avais. Non. Ah, la vache. Ouh, ça va être dur. Ouh, que ça va être dur. Ouh, que ça va être dur. On va poser un truc, c'est pas grave. Même faudrait les murs de mail, littéralement, là, pour le coup. Parce que moi, avec ça, c'est bon, je suis tranquille, hein, je me fais pas chier. T'es un ennemi ? Non, ça va. Ah, du solarium, ça y est, on en a un petit peu. Ok, cool. Ici, il y a quoi? Un petit peu plus de solarium. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On va aller chercher ensuite la statue Florane que apparemment nous recherchons. J'espère qu'elle est pas au-dessus. Ce serait bien le cas. Hein. Je m'avance pas, mais... Vache. Hop, parfait, j'ai réussi. Non, elle est pas là. Elle est pas là, je pensais qu'elle serait là, mais non. Ok, dans un sens, c'est pas plus mal. Ça me permet d'aller taper du florane. Alors, gauche ou droite? Droite. Bon, c'est quoi ce truc? C'est pas une chauve-souris classique. C'est une chauve-souris florane. C'est triste. Ok, cool. Par contre, santé. Ah, vous voyez, on n'a pas du tout l'armure pour et on le ressent, hein. On le ressent, on le ressent, on le ressent. C'est là la catastrophe. On le ressent. Hop, yo. Ah, il m'a touché quand même.
Hop, parfait. On l'a eu. Apparemment, tu l'aurais bien tué des Floranes juste avant. Donc on est censé le remercier, chers amis. Non, celle-là, je l'ai déjà. C'est pas celle-là qu'on cherche. Hop. Faisons attention en descendant. Ce serait bête. Ce serait bête. Hop. Oula. Bah je crois que c'est ce qu'on appelle avoir un nid hein. Ah la vache. Ils m'ont poussé dedans. Ah il y en a un deuxième. Oh j'ai re... Mais laisse moi sortir. Ah ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Oh putain. Oh la survivance. La survivance. Mon meilleur ami serait là. Il serait indigné que j'emploie ce terme parce que je rage toujours. Donc même en faisant d'accord. Bon à savoir. Je rage toujours quand il dit, quand il emploie le terme survivance. Enfin, l'expression survivance. Parce que ce n'est pas du François. Oh le pauvre. Hop, ok, on a survécu. Fou, tout ça pour arriver à un pauvre coffre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'œil du démon. Damage. Oh bah ça fait que 5 de dégâts. Spécial, Evil Eyes. Bon attendez, avant de gueuler. Ok. Et ça ouvre les yeux, mais je ne sais pas ce que ça fait. Pourquoi pas? Écoute, on va l'équiper. À la place de l'épée, vu qu'on a l'épée des mille vérités. Non, je rigole. Ce serait bien, remarque. Mange mes yeux. Mange mes yeux. Ça, je crois que c'est la deuxième arme bizarre qu'on trouve dans un temple Floran. Hein. Enfin, dans un truc Floran. Si c'est pas... annonciateur de ce que ça va venir. En tout cas, voilà pourquoi je n'aime pas les Floran. Ils détruisent... En fait, ils ne sont pas venus à rien d'eux-mêmes. Ils ont juste profité des gens qui les ont tués. Ah, c'est ça que je cherche. Floran, ça tu sais bien ça. On va récupérer quand même ça et ça. Hop. Bon, on va quand même utiliser notre... Ah, ça y est. Oh. Qu'est-ce que ça? J'ai l'impression qu'en fait, s'il y a un ennemi dans le champ de vision, il se fait électrocuter. Regardez. Oh la vache. C'est épique. Il y a quelque chose là-dedans? Non. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir me tuer? Hop, parfait. Non, il est là. Ah oui, d'accord, il est autoguidé sur autre chose, apparemment. Ah, il préfère les cibles... D'accord, c'est lui qui choisit les cibles, en plus. Prut. Prut. Wow, 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 wow. Ah, j'ai plus de piles. Hop, voilà. Allez, meurs, c'est bien. Hop, on devrait trouver son copain là-bas. Vu que ça a réagi. Oh! Oh! Cette précision. Ah merde, c'était un... Hop, je croyais qu'un coup ça allait suffire, mais non. Apparemment, non. On va se soigner quand même un petit peu, hein. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Rien. Ok. Ok. Et ici on trouve. D'accord. Ouais. J'aurais préféré trouver des minerais. Mais bon, c'est comme ça. Nous n'y pouvons rien. Alors, la suite. Je sais même pas quelle quantité en fait exactement de solarium il me faut pour améliorer mon armure au dernier niveau. Donc bon,
J'aurais dû regarder avant, c'est ma faute. On regardera quand on montera sur le vaisseau. Ah bah dis donc. Il était solide celui-là. On dirait on est de nuit, hein. Normalement c'est plus solide un monstre. Wow, salut. Aïe. Exactement ce que je voulais éviter. Mais ce n'est pas grave. Wow, qu'est-ce que t'es toi? C'est quoi ce truc? Boum. Il fait mal, hein. Il fait atrocement mal. Vache. Je l'ai raté. Boum. Qu'est-ce que c'est que ce mec? On aurait dit un Apex mais en robotisé. C'est stylé, remarque, hein. Je dis pas le contraire, mais... Ah, c'est des box, d'accord. Il avait l'air littéralement un petit trésor, hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Eh ben dis donc, on trouve des nouvelles choses. C'est cool, hein, moi j'adore ça, hein, perso, hein. Ils sont nombreux, en plus. C'est quoi, ces mecs? Allez, viens, j'attends. Allez, viens, j'attends. Ah, il me touche, hein. Hop. Oh, je me suis touché tout seul. Quel dommage. Hop. Alors, ici, on trouve. D'accord. Ici, pourquoi pas. Ici, on le prend. Littéralement. Aïe. Bon, c'est pas grave. C'est pas ce qu'il y a de plus grave, 6 points de dégâts. Honnêtement, on a connu pire. Alors là, il y a une descente. De la même manière. D'accord. J'ai pété l'explosif en question. Pourquoi pas? Je comprends. Je comprends ce que j'ai fait. Ok. Ah, c'est pas mal comme planète, j'aime beaucoup. Ah, bibibi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas souvent que ça m'arrive, ça. Ok, bon. J'ai pas l'air d'y avoir grand-chose dedans, quand même. Deux coffres l'un à côté de l'autre, pourquoi pas. Ouh, il est bien rempli, celui-là, en plus. Hop. Et celui-là. Oh, celui-là aussi. Energy Javelin. Oh, c'est bah, pas si énergique que ça, mais pourquoi pas. Ok. Oh, c'est le truc stylé en fait. Ok, pourquoi pas. Je veux bien, hein. Stylish fridge, stylish bed. Bah écoute, pourquoi pas. Ok, je descends. Oula. Ah, j'aurais dû m'en douter. Hop, je passe. Hop, je passe. Hop. Oh. Sympa tout ça, dis donc. Il y en a trois ou il y en a un? D'accord, il y en a trois en plus. Génial. Une petite épée, d'accord. Et là, un petit peu de soin. Je prends les soins. Ici, on a Damage Augment. Pourquoi pas, on le mettra peut-être une fois. Pour l'instant, je suis très intéressé par le côté lumineux de celui-ci. Cette augmentation, c'est vraiment très bien, hein. Très pratique. Ok. Ok, je crois pas que j'ai la grosse. Si, j'ai la grosse. Ok. Bonjour, tu es agressif? Non, mais vous voyez, regardez ça comme il est sympathique cet homme. Enfin, ce truc, ce machin, ce bidule. Ok, bon. J'espère qu'il l'a pas mal pris. Hello l'ami. Ah oui, attends. J'ai déjà entendu parler de... Tu veux pas que je te jette un oeil à ce que tu as sur toi? Non? Tu voulais pas que je jette un oeil sur... Bref, je vais arrêter de la faire, cette blague. Hop! Ok. Tout ça, on l'a déjà. Oh, attends, je vais jeter un oeil sur ce que tu transportes. Boum! Ok, c'est efficace quand même, hein. Enfin, moi j'aime bien, c'est stylé.
Ok, c'est parti. Et on le lâche pas. On monte. Allez. Ah merde, je vais le lâcher. Ok. On m'attendait à trouver un peu plus de solarium à la surface, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Oh. Oh, ils sont nombreux en plus, eh. Hop, parfait. Ici nous trouvons 5 batteries de type AA et un téléporteur corps. Pourquoi pas? Bon, là, il y a clairement une bonne raison de taper à coup de lance-roquette. Hein. Parfait. Et en plus, ça aura été efficace. Une drill, des pixels, ça je prends. Ça, c'est quoi? La même baguette que tout à l'heure, finalement. D'accord. Là, on a du soin avec un peu de chance. Parfait. On va avoir besoin de bouffe, cela dit. Bouffe. Alors, ça, c'est plus bon. Ça, c'est plus bon. Oh, les graines de café sont comestibles pendant un certain temps. Je ne savais pas. Oh. Ok, bouffe. M'agresse pas, hein. Je viens en paix, hein. Je viens en paix, les mecs, hein. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, ça? Repulsion Zone Ice Swarm. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça, Ice Swarm? Oh, d'accord. Une pluie de glaçons, quoi, littéralement. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, ça je prends. Ça je prends. Ça je prends, même si je sais pas ce que c'est. C'est ça le style. Parce que si c'est ça le stylish, c'est pas la peine, hein, j'en veux pas. Soyons honnêtes. Si c'est ça le stylish, c'est pas. Pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais pas mal. Pour ceux qui voient la référence. Ah là là, j'aime toujours autant faire mes références, ma chers amis. Elles sont pas toutes géniales, mais elles sont là. Hop, elles sont présentes. Hop, y'a rien là-dedans. Ok. Bon, c'est pas le genre de planète qui est sympa à fouiller, à vrai dire, hein. Vous avez remarqué, il y a plein de trucs vides. Et je te le dis, sans une once de respect. Mais écoutez. En soi. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau? De l'eau, d'accord. Je suis étonné, mais pourquoi pas. Oh, un biome midnight en plein jour. C'est rigolo. Ça va pas être très effrayant, cela dit. Ils sont pas agressifs, les piafs, hein, dis donc. Ok. Ok, bon, on va pas s'embêter. Crac. Parfait. La suite. Yo, tu m'as même pas remarqué. C'est... J'ai l'impression de ne même pas être une menace pour eux, c'est insultant. Oh là, t'es pas dans le bon biome, toi. T'es un peu trop de style glacé à mon goût, hein, pour ce biome. Mais bon, je me trompe peut-être. Oh. Vous osez encore me faire ce genre de piège. Ok. À tous les coups, je vais avoir loupé un coffre. Vous aurez eu le plaisir de me le dire dans les commentaires. Dégagez. Oh, il m'a touché du bas. Il m'a touché un orteil, ça m'a failli me couper la jambe, en fait. C'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout. Oh, tiens, encore un autre biome. Bon, il y en a un pas loin, voilà. Oh oh. Tiens, regarde. Ah merde, j'étais stupide, j'ai sauté dedans. Hop. Jette un œil là-dessus. un petit peu de soin. Voilà. Hop. Oh. Oh, le pauvre. Psychologiquement, ça doit être la haine.
psychologiquement, il doit m'en vouloir là. Enfin bon, plus maintenant, il est mort. Ok. Ah là, il fait vraiment nuit dans le biome nuit, c'est rigolo. Mais ça me plaît moins bizarrement. Ah, il y en a un pas loin. Juste là. Hop, t'es mort. C'est bête. Oh, il y a un coffre. Hop. Oh, c'est dur à casser, je m'en rappelais pas de ça. Alors, nous avons une porte en hive. Une table en hive et un petit peu de caca à côté. Ok. Okidoki. C'est parti. Bye bye. Bon. Jusque là. Oh, boum. Raté. T'es trop mauvais. Moi, ha ha. Bon, notre armement est un peu faible, hein. Faut pas se voiler la face. Ok. Off. Des floranes. Manquait plus que ça. Manquait plus que ça. Hop. C'est pas la peine. Je ne veux pas les voir. Ah, merde, je suis coincé. Vous voyez, comprenez pourquoi je veux pas les voir. Ok. Allez, vas-y, saute. Allez, vas-y. Oh, merde. Oh, ça s'est joué à rien. Oh, il m'a feinté. Allez. Allez. Voilà. Salut. Ok, la suite. Hop. Mais bon. Je n'aime pas trop ce biome, il est pas rassurant en fait. Il y en a un dans le coin. Ok. Ça c'est fait. Oh, bah dis donc. Ah, voilà un coffre. Ah donc ils sont pas si... Je croyais que les coffres étaient visibles, mais ils sont pas visibles en fait, ils sont bien noirs. Merde, alors j'en ai souvent loupé plusieurs alors. Dommage. Dommage, dommage. Dommage. Oula, toi t'es agressif, ça se sent. T'es pas malin, ça se sent aussi. Tiens, jette un oeil là-dessus. Oh là là. Hop, la dernière fois que j'ai laissé les monstres me suivre à plusieurs, ça s'est mal fini. Donc je préfère ne pas reprendre cette mauvaise habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Oh là. Ok. Cool. Oh, vous auriez pu me fournir un truc sympa. Honnêtement, ça c'est pas cool les mecs. Bon. Pas me plaindre, c'est toujours des pixels. On aura toujours besoin. Ah. Encore toi, vas-y, cours. Oh non! Je croyais qu'il allait me charger. Hop, y'a rien derrière. Ah, 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 ceux-là, ils sont violents. Forcément. Pile quand je dis que je voulais plus en laisser faire ça. Et regardez en dessous, il y avait même la saloperie que j'aime pas habituellement. Non, non, désolé, là, je... Plus aucune pitié. Hop, voilà. Oh. Non, honnêtement, tu peux reculer, hein, y a pas de souci. Hein. Hop, merci. Et je pense qu'on va pas tarder à revenir sur la zone de départ. Et je pense même qu'on y est peut-être déjà. Mm-hmm. Je pense même qu'on vient même d'y revenir, tout juste. On va vérifier, mais... Hop. Ok. Ah bah attendez. Non, on n'a pas encore fait le tour. Eh bah c'est pas plus mal. Pas de sous-sol, pourquoi pas. Voilà, je suis désolé, j'ai un coup de barre. C'est vrai que c'est la troisième fois que je recommence cet épisode. Parce qu'entre les sonnettes, les téléphones,
J'arrête pas. Aïe. Ça bête. Ah, la dernière fois que ça s'est passé, ça. Ça s'est mal fini. Ils ont pris les dégâts ou pas? Bon là il les a pris, c'est sûr. Oh mais merde. Il y a des gros lags sur ces planètes, hein. Je sais pas pourquoi. Hop, mais bon. L'optimisation du jeu. Oh, comment il a su? Hop, soin. On fait que ça. On n'arrête pas. Ok, oula. Ne me laisse pas tomber. Il est si fragile. Être une bombe libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Non, pas tout de suite. Tayo. C'est bon. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Des pixels. Oh, cool. Cool! Stylé! Complètement stylé! C'est une référence à je sais plus quel film à mon avis, mais Je le sais. Je le sais parce que le personnage est aussi dans Broforce en fait. Mais je m'en rappelle plus, je suis désolé. Oh là, je crois que c'était une statue, putain! Gris et immobile, comme ça j'ai cru que c'était une statue. Est-ce que je peux être con parfois? Oh oui. Oh oui, faites-vous tout savoir, s'il vous plaît. Oh merde. Oh, c'est pas sympa, mec. C'est vraiment pas sympa, mec. Ok, oh. Génial. Un sniper moisi, je ne prendrai donc pas. Ok. Une console. Ça, c'est cool. Ok. Un sac poubelle là-haut. Vas-y. Ah, je l'ai pas vu. Merde. Je l'avais pas vu. Ah. Je suis mauvais. Voilà. Et il y avait. Oh. Deadbeat Nerd Mask. Oh, sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Ok. Génial. Donc j'ai pensé à ça aussi, chers amis. Ce que je ferais si je fais une partie modée, une série modée, je la reprendrai à zéro, je la moderai un petit peu beaucoup, on va dire. Et je la reprendrai à zéro, mais dans le même univers. Ce qui fait que je pourrais continuer, entre guillemets, à me servir des villes et trucs que j'ai construits, que j'aurais construit potentiellement, hein, j'espère en tout cas. Je ne me ferai pas avoir cette fois-ci. Hop. Boum. Et comme ça en fait on pourra reprendre véritablement d'une manière un peu plus soft, tout en se reprenant toute l'histoire et tout ça d'un bout à l'autre, avec peut-être des trucs en plus dans le gameplay. Je ne sais pas vraiment ce que je choisirais comme mode en fait, hein, pour l'instant encore. Oula, c'est quoi ces trucs? Je m'en doutais. Pourtant j'ai essayé, hein. Voyez, hop. Pas mal, hein, c'est pas mal. C'est plein de petits trucs comme ça que j'adore, moi. C'est vraiment sympa. Oh, j'ai même pas vu le banc. Hop. J'ai voulu me TP, oui, c'est vrai. Et alors? C'est les mauvaises habitudes, chers amis. Toi, t'es méchant, non? En tout cas, je vais te prendre une roquette avec la double explosion. Voilà. Merci de revenir plus tard. Ok. Ok. Jusque là, ça se passe assez bien. Dégage. Il veut pas, hein. Oula, j'ai failli mourir. Mis à part ça, tout va bien.
Mis à part ça, ça baigne. Ok. On va jeter un œil, hein. Hop, voilà. Ah, là par contre, ce sera peut-être bien revenu à la base. On va passer comme ça, c'est pas grave, je fais tout le tour, mais c'est pas grave. Hop. Là, on aurait peut-être bien fait le tour. Aïe, là ça me dit vaguement quelque chose. Et là, c'est ouvert et c'est explosé, donc on a bien fait le tour. Ok, on remonte. On remonte, on remonte. Et on va aller voir combien exactement de solarium il nous faut pour améliorer une dernière fois cette armure. Hop, alors. Bah mince, alors, j'aurais juré qu'il me fallait du solarium. C'est cool. C'est très très cool. Non. Ah, voilà. Solarium Star 12. Ça fait donc 32. Ça fait donc 40. Donc, autrement dit, je dirais un petit 80 de solarium, c'est ça, non? C'est ça. Donc, on en a pas du tout ce qu'il faut, hein. On n'a pas du tout ce qu'il faut. Bon, eh bien écoutez, chers amis, du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se retrouver dans le prochain épisode dans lequel nous allons aller creuser et découvrir les fonds de ce genre de planète, des Scorched Planets, dans les... Ah putain, j'oublie toujours. Dans les Fiery Stars. Voilà. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Et il y a une histoire d'amour entre un pingouin et une femme. Ou un homme, je ne sais plus. Je ne sais plus. Salut !